Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter de faire des erreurs. À tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors ici, tout va bien, mais il faut qu'on parle. Vivi, comment éviter de faire des erreurs? Mais qui vous a mis dans la tête que des erreurs c'était mauvais et qu'il fallait éviter d'en faire? Oui, je vous assure, les erreurs c'est positif. En effet, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de tableaux et plein de ratés, je vous les ai déjà dit. Et ces ratés-là ont été positifs pour moi. Parce que s'ils n'ont pas réussi à réaliser ce que j'avais dans la tête, ils ont au moins eu l'avantage de m'apprendre une nouvelle chose. Que c'était possible de faire quelque chose de cette manière. Et donc bien souvent, j'essaye de les reproduire pour pouvoir exprimer une nouvelle idée ou une nouvelle façon de faire. Pas mal, non ? Les erreurs ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes parce qu'elles peuvent vous donner des moyens supplémentaires pour vous exprimer. Alors, faites des bêtises, faites des erreurs, cherchez-les même. En tous les cas, le propre de l'artiste, à mon sens, c'est de faire des erreurs, c'est d'expérimenter et surtout d'oser. C'est pour ça que je vous investis et je vous invite vraiment à dessiner tous les jours et de vous tromper, et sur un mois de dessin il y en aura peut-être que deux de chouettes, mais surtout ne vous dévalorisez pas, au contraire, prenez du recul sur ces dessins, prenez du recul sur vos projets, gardez-les et pourquoi pas ayez une rétrospection dessus. C'est votre travail d'artiste, c'est votre boulot de comprendre comment évoluer et comment en faire quelque chose de chouette. Comment croyez-vous que l'électricité est apparue ou on a réussi à la faire en faisant des erreurs? Comment croyez-vous aujourd'hui qu'on fait du pain? Le pain a été juste une erreur. C'est une bêtise et qui a donné quelque chose de sympa, mais qui n'était pas pourvu à faire du pain. Donc moi, ce que je vous invite réellement à faire, c'est de relativiser sur des lourdeurs que vous vous mettez dans votre esprit, parce que ça freine des possibilités et des évolutions pour vous. Donc faites des bêtises, faites des erreurs, expérimentez, osez, lâchez prise. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt et laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Bye !